voilà, c'est bon. Ou encore une cinématique. Découvre ça de quelques instants après ce magnifique chargement. Dommage que c'est tout le temps les mêmes. Ils auraient dû mettre des images différentes. En même temps, c'est le premier opus. Je sais pas comment ils sont les suivants. On le verra de toute façon. Je vais faire tous les opus. Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Ils vont tous passer par C'était moi. moins une, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer 2-3 blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. C'est Geth allait me tuer ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue! J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie, mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. Vous avez découvert quelque chose? Quasiment rien, et c'est justement ça le plus intéressant. Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéins, et encore moins d'éléments expliquant leur disparition. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère, comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou sa reine. Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous.
Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyra. Merci, commandant. Je vous en suis très j'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Ne me dites pas comment faire mon travail. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, commandant. Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller. À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter. Le conseil, je vais bien leur parler, mais ils m'énervent. Non, pas se déconnecter quand même. Allez, on va être encore gentil. Lyra est de notre côté. Les Guettes voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéen, était-ce réellement nécessaire, Shepard? On a failli y rester. Les Guettes étaient partout. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Je t'en foutrais, ouais. Ah, je les aime pas, ces membres du conseil. Ah là là. Est-ce que j'ai des points à mettre? Ouais, 2 points à mettre. On va les mettre en... Le pistolet, il est vraiment très bas. Tireur d'élite, augmente les dégâts et la précision du... Ok. Et ça? Fusil à pompe déverrouillé. D'accord. Il y a aussi les autres membres de mon équipe, je sais pas si... Je pense à ça. Ah, je sais pas les voir d'ici. Top. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ici? On va te reparler à toi. Oui, commandant. Oh non, reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Je vais voir Joker s'il a pas quelque chose à nous dire. Et s'il a rien. Hop là, quelques points. Et après, s'il a rien à nous dire, bah... Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous faire roussir les roustons. Je vous signale que c'est votre boulot de sortir mes roustons de la lave en fusion. On ne reçoit pas une médaille pour ça. Bon, alors je me contenterai d'une petite carte de remerciement et d'un gâteau. Mais pas la noix de coco, je trouve ça dégueu. Alors, que voulez-vous, commandant? Rien. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. D'accord. Il n'y a plus rien, non? Oh, j'ai vu encore un truc. Je l'ai vu. Là. Voilà. Bon voilà, on va se laisser pour cette session bientôt. Là, je vais faire comme à chaque fois fin de session. Ça veut dire, si je trouve bien le truc, c'est d'en bas, on va aller directement depuis le menu. S'il veut bien y aller. Excusez-moi, ça bug un petit peu. Voilà, dans le codec. Principal technologie. Oh, il n'y en a pas tellement cette fois-ci. Bon bah, ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis déjà à la prochaine et portez-vous bien. Et pour les autres, bah, on commence à tout de suite. Enfin, on se reprend tout la fin pour se dire au revoir aussi. Je coupe mon micro et c'est parti. La biotique est une... Le micro-atelier est capable de façonner quasi instantanément de petits objets tridimensionnels faits d'alliages légers, de céramique ou de plastiques industriels réutilisables. Il devient dès lors possible d'effectuer des réparations ou modifications en pleine situation de combat, mais aussi de réutiliser le matériel récupéré. Les Omnitech font partie de la dotation standard des soldats et pionniers.
Un Omnitech est un dispositif portatif intégrant un terminal informatique, un kit d'analyse sensorielle ainsi qu'un micro-atelier. Fiable et polyvalent, il peut servir à analyser et modifier à distance les propriétés de nombreux équipements comme les armes et les armures. Une intelligence artificielle est un système informatisé doué de conscience, capable de se perfectionner et de prendre des décisions de façon autonome. La création d'une IA consciente nécessite un code évolutif, une éducation lente et coûteuse, ainsi qu'un ordinateur quantique dédié appelé Blue Box. Une IA ne peut pas être transférée par un canal de communication ou un réseau informatique. Sans Blue Box, ce n'est rien de plus qu'une base de données. Charger ces données dans une nouvelle Blue Box revient à changer la personnalité de l'IA. La moindre différence quantique dans le hardware ou dans les processus engendrant des variations imprévisibles. Les guettes sont un sombre rappel des ravages que peuvent provoquer les IA rebelles. Malgré leur mise au ban de l'espace concilien, des associations de protection prétendent que les IA sont des entités vivantes et conscientes qui méritent les mêmes droits que les formes de vie organiques. En lieu et place du terme « artificiel » qu'ils considèrent comme une forme de racisme institutionnalisé, ils prônent l'utilisation de l'adjectif « synthétique ». Les bâtiments militaires sont généralement répartis en quatre tonnages. Les frégates sont de petits vaisseaux très mobiles, affectés aux missions de reconnaissance et d'analyse, souvent constitués en flottilles expéditionnaires. Mieux armés que les frégates et plus agiles que les cuirassés, les croiseurs représentent l'unité standard des corps de patrouille. Les cuirassés sont des bâtiments dont la taille avoisine le kilomètre. Bardés d'armes lourdes à longue portée, ils ne sont déployés que pour les missions cruciales. D'un tonnage comparable aux cuirassés, les porte-chasseurs servent, comme leur nom l'indique, de base opérationnelle à des escadrons de chasseurs. Les monoplaces, enfin, n'ont la plupart du temps qu'un rôle d'appui. Il s'agit des chasseurs dont la mission est d'attaquer les bâtiments ennemis à courte portée et des intercepteurs, vaisseaux de défense anti-chasseurs. Dans un combat spatial, c'est la mobilité qui prime. Chacun tente d'aligner son canon électromagnétique de proue avec le flanc de l'adversaire. Le tout se déroule donc généralement à la manière d'un duel d'artillerie, à ceci près que des milliers de kilomètres séparent souvent les adversaires. Dans certains cas particuliers, comme une incursion hostile à travers un relais cosmodésique défendu, ces distances peuvent toutefois se réduire à quelques dizaines de kilomètres, autant dire du corps à corps. La plupart des combats sont des événements isolés entre bâtiments de tonnage léger à moyen. Les cuirassés et porte-chasseurs ne sont quant à eux déployés qu'en cas d'opération de grande envergure. Les combats en plein espace ne font que rarement de vaincus, le plus faible ayant toujours la possibilité de fuir. Il suffit en effet de passer en vol supraluminique pour mettre un terme au combat puisqu'aucun appareil n'est encore capable de verrouiller un vaisseau en SLM. Le seul moyen de s'assurer qu'un ennemi ne prendra pas la fuite est donc de l'attaquer dans un endroit qu'il ne peut se permettre de concéder, par exemple un monde colonisé ou un relais cosmodésique stratégique. Les moteurs supraluminiques SLM utilisent des propulseurs à éléments zéro pour limiter la masse de l'appareil et ainsi améliorer l'accélération. Ce procédé permet de dépasser la vitesse de la lumière dans le champ gravitationnel. Il est alors possible de voyager à vitesse élevée avec une dilatation temporelle négligeable. En plus du moteur SLM, un vaisseau stellaire nécessite des propulseurs conventionnels. Moteur fusée à propulsion chimique, propulseur à fusion commerciale, moteur à ions économiques ou propulseur antiproton militaire. Sans propulsion subluminique, un vaisseau n'aurait en effet aucune puissance motrice. Les quantités des eaux et d'énergie requises par un moteur augmentent de façon exponentielle en fonction de la masse déplacée et de l'allègement que l'appareil subit. Équiper un vaisseau très massif pour qu'il puisse atteindre des vitesses très élevées s'avère extraordinairement coûteux. Si le champ gravitationnel cède à une vitesse supraluminique, la catastrophe est inévitable. L'appareil revient brutalement à une vitesse subluminique et l'énorme quantité d'énergie excédentaire provoque un rayonnement Cherenkov fatal. Le véhicule d'infanterie blindé Mako, parfois surnommé Rampant en raison de sa forme oblongue, est le compagnon idéal des frégates de l'Alliance. Malgré l'étroitesse de leur soute, il s'insère facilement en soute pour ensuite être déployé sur à peu près n'importe quel monde. Doté d'une tourelle à canon électromagnétique de 155 mm et d'une mitrailleuse coaxiale, le Mako peut faire office de transport de troupes,
mais aussi d'unités d'appui. Les marines de l'Alliance pouvant être appelées à combattre en tout lieu de la galaxie, il est en outre totalement étanche à l'atmosphère extérieure et équipé de micropropulseurs pour les planétoïdes à faible gravité. Le Mako est alimenté par un accumulateur d'hydrogène-oxygène pressurisé, conjugué à un petit noyau d'éléments zéro. Si ce dernier ne suffit pas à contrer la masse du véhicule, il peut néanmoins la réduire suffisamment pour effectuer des dropages aériens. En conjonction avec les propulseurs, il permet au Mako de s'extirper des terrains difficiles. Du pistolet au fusil d'assaut, les armures de combat sont équipées d'un double blindage. La doublure est constituée d'une protection textile dotée de rembourrage cinétique. Les parties rigides de la combinaison, notamment le torse et les tibias, sont renforcées par des feuilles de céramique ablative ultra-légère. Le revêtement externe fait office de barrière cinétique. Si l'armure dispose d'une quantité d'énergie suffisante, tout objet la percutant au-delà d'une vitesse donnée déclenche son système réflexe qui dévie instantanément le projectile. Les armures de combat sont dotées d'une fonction intégrale qui protège le porteur des conditions climatiques les plus extrêmes. L'équipement standard comprend en outre un terminal intégré doté des fonctions de communication, de navigation et de détection les plus récentes. Enfin, l'affichage tête haute est compatible avec les systèmes d'aide à la visée des armes actuelles, procurant une réactivité accrue. Ah voilà, on a tout fini. Pour tous ceux qui sont restés, bon, on a tout fait. Dans la prochaine fois, on ira sûrement à Noveria ou à Feroz, j'en ai aucune idée encore. Sûrement à Feroz, parce que Attaque des Gens, même si on a eu beaucoup de durant la deuxième partie de cette session, beaucoup de fails en même temps, mais on a su quand même avoir beaucoup d'action. Ça change, même si j'ai vu qu'à la fin, ce qui m'a plu beaucoup, c'est, je l'ai remarqué, c'est vraiment l'aspect que c'est nous qui font tous les choix et on écrit vraiment. C'est carrément un film pour moi, carrément, ce jeu. C'est vraiment un film très long en plus. Je sens que ce playthrough va être hyper long. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour plus d'aventures. Portez-vous bien !